Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Fabien. Salut Kev, salut à vous. Alors Fabien, je vais te dire un truc marrant sur cette vidéo dès l'entrée. Bah direct. Au moment où la vidéo est en ligne, t'es peut-être à côté de moi. Oh! Ah ouais, peut-être. C'est possible. Du coup, ce sera deux commentateurs, une caméra. Voilà, ouais. Je On crois que... fera une grosse séance d'entraînement à pile ou face hein, quand tu seras là pour le championnat d'Europe. Je crois que c'est moi qui chapeaute un peu ça dans l'équipe de France d'échecs d'ailleurs, hein, Fab. Ouais, t'étais le lanceur du pile ou face. Ouais, en fait, il m'a sélectionné en sélectionneur de pile ou face, si jamais, à la Voilà. fin, ça se joue à ça. Bon, du coup, tu Plus vas. entraîneur peut-être de Shifumi, quoi. Sais que je suis très très bon, Chifoumi. Ouais, Ouais, mais je me doute, mais c'est. Non, faut sentir le changement de rythme. Du coup, hein. Fab, parlons sérieux, pour une Ouais. fois. Et on va regarder deux extraits aujourd'hui. Et la pièce blanche, c'est toi. Oui, c'est une des parties que je joue au top 12. Donc une des rares parties intéressantes que j'ai faites. Donc j'ai les blancs, la partie se passe pas mal, c'est contre Anthony Belaïch. Donc là c'est lui de jouer, il joue tour E8. Et bah, il attaque le pion E5. Trois fois, avec les deux tours, avec la dame. Et donc là, on passe au 41e coup, donc ça tombe bien, on reprend une demi-heure. Du coup on peut réfléchir à ce qu'on va faire. Est-ce que... Alors, attends, petite question intéressante d'ailleurs pour nos auditeurs qui peuvent se demander à un grand maître comme toi, une sommité du jeu d'échecs, qu'est-ce que tu fais quand tu passes le 40e et que tu as fini le Zeitnote? Tu vas prendre un café, tu vas souffler dehors ou tu restes sur l'échiquier? Comment ça se passe à ce moment-là? Ouais, ça dépend ce qui s'est passé avant en fait, mais genre en l'occurrence j'étais parti souffler. Donc Mais tu sors dehors t'oxygéner, tu restes 5 ouais, minutes bah devant le. après, suivant les gens, ils font comme ils veulent quoi. Ok, c'est pas bête de souffler parce que t'as eu un moment de tension, t'as eu le tight note avant, et de reprendre un peu tes esprits, de redescendre et de repartir avec l'esprit clair, c'est pas con quoi. Donc tu peux en profiter Et pour aller aux toilettes, tu peux en profiter pour aller te mettre de l'eau sur la tête. Les fumeurs pour fumer, enfin peu importe quoi. Boire, manger un truc, enfin. après, quand tu te réassieds sur l'échiquier, tu prends quoi? 2-3 minutes histoire de te réimprégner de la position? Comment tu fais à ce moment-là? Bah après, là j'ai calculé les variances, quoi. Donc même, je pense, j'ai mis une dizaine de minutes avant de jouer mon coup, quoi. Ok, donc là tu calcules et en fait ce que tu te demandes c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller rentrer dans la finale, j'imagine, Fab, avec tour D8? Enfin, c'est pas que tu me dis, tu me l'as dit avant la vidéo en fait, hein, à la base. Ouais, c'est ça. Est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on laisse le 5 et genre on joue tour D8 ou tour D7? On va donner une variante exemple, tour D8. Ouais, voilà. Bon, les noirs doivent prendre en E5 et Sur on échec, va hein, devoir d'ailleurs. échanger. Voilà, oui, voilà. Donc on va devoir échanger les dames. Tour prend, et puis genre tour prend 8. Voilà, donc est-ce qu'on joue cette finale-là? B3, pas B4, parce que B4, il y aura tour E4, double attaque. Donc éventuellement B3, ouais. Donc avec l'idée de mettre la tour derrière le pion, on sait que c'est toujours important dans les finales de tour. Et puis c'est de ramener le roi, voilà. Donc cette finale à essayer de calculer, voir si je juge qu'elle doit gagner ou pas. L'autre option, c'est de pas du tout rentrer dans la finale. Sinon on peut aussi jouer une finale avec les deux tours aussi, sans échanger, ça c'est autre chose. L'autre option, c'est F4, donc on garde les deux pions de plus, ce qui à première vue est cool. Le défaut, c'est qu'on laisse du contre-jeu noir, ce soit par dame A7 ou par dame C1. Et donc du coup, ça va être à nos auditeurs de nous dire que faut-il faire? On rentre dans la Voilà, finale donc pour jouer cette finale avec un pion de plus, qui est peut-être gagnante, mais là il va bien ouais. falloir l'évaluer. Ou est-ce qu'on joue F4, on rend pas de pion, mais on expose le roi? Voilà, donc faut regarder ce qui se passe sur Dame A7 parce que bah, il va sûrement suivre Dame G1. Le roi doit repartir en vadrouille ou même Dame C1 et des tours H1. Le roi va monter en G3, ils font Dame 1 échec. Et voilà, il peut y avoir des perpètes, même peut-être le roi peut être en danger, se faire mater. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère. Donc Parce que... ils peuvent mettre sur pause Ouais, et réfléchir. et réfléchir. Donc ils peuvent prendre 10 minutes comme toi. Ils se Ouais. mettent 4 heures de partie avant. Pendant 4 heures, ils réfléchissent sur une position. Après, ils arrivent là. Ils souffrent 5 minutes dehors. Ils arrivent 10 minutes et ils jouent. Et donc, s'ils ont joué comme toi, s'ils ont mis sur pause, s'ils ont joué comme toi, ils ont continué par F4. Donc toi, tu as refusé la finale précédente qui était cependant peut-être gagnante. Mais ça, il faudra demander à Ouais, Vlad, hein. mais là pour le coup, ouais, là j'étais sûr que je gagnais quoi. Enfin, d'après mes calculs. Donc je gagne bien vérifier les lignes, mais ok quoi. Bon, il a fait dame C1. L'autre option, donc c'était dame A7, hein, comme j'avais dit, pour menacer dame G1. Dans les deux cas, de toute façon, je comptais continuer par tour D8.
De toute façon, on va peut-être plutôt suivre la partie, comme à mon avis, ça ressemble quand même pas mal, hein, dans le Ouais, ça va labyrinthe. ressembler. Ouais. Ça va Donc, ressembler, dame donc du coup. C1, tour Ouais, ça. D8. Tour D8, donc. Donc, le truc, c'est qu'on crée un réseau de maths autour du roi noir. Et donc, sur tour Si prend tour D8, prend, donc. tour prend. Maths. Mat. Et voilà, puis on laisse tour prend tour. Et voilà. Donc, les noirs, obligés d'essayer de contre-attaquer le roi blanc. Tour H1, roi G3. Là, il y a un seul échec, c'est dame E1. Et ok, donc on a deux choix pour se cacher, soit F3, soit G4. J'ai choisi G4, mais je pense que F3 ça marche aussi. J'avais vu ça en solution de secours au cas où je me trompe dans mes calculs. Mais roi G4, le plus direct. En fait, du coup, maintenant, seul échec, c'est de faire H5, qui a l'air pas mal, puisque maintenant le roi est obligé de partir en G5. Parce que si on faisait roi F3, on se faisait mater, quoi, par tour F1. Ça donne pas très envie, hein. C'est pas la meilleure idée du monde. H5, ouais, roi G5. Donc là, il y a deux manières de faire échec, c'est soit dame G3, soit dame prend H4. On va dire dame prend H4, plus Ouais, et spectaculaire. dans les deux cas, roi H6. Et en fait, le roi il va se cacher là-bas, où il n'y a plus d'échecs, et on garde le roi noir dans le réseau de maths. Et en fait, là, il n'y a rien à faire pour les noirs, ils sont maths. Ouais, puisque sur dame prend Genre, F6. on fait intermédiaire, tour prend tour. Mat. Ouais. C'est un bon coup intermédiaire, ça. Tour prend tour mat. Ouais, c'est ce genre de intermédiaire que t'es content de jouer. Et donc, du coup, en fait, et le roi est très utile dans ce mat, hein, puisqu'il interdit la case H7. Ouais, H7, G7 d'ailleurs, ouais. Et du coup, ça, en fait, tu l'as trouvé. Et évidemment, quand tu as trouvé ça, tu t'es rappelé de la fameuse partie qu'on va montrer en exemple annexe. C'est ça, Tu ouais, l'avais bah forcément en c'est. tête, c'est obligatoire. Oui, j'y pense, enfin, j'y pensais, c'est. Ouais, je me suis dit, tiens, c'est comme short. C'est comme short, j'ai pas été trop court. Donc cette partie contre Timan, partie très 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 connue, Fab. Ouais, mais c'est là qu'on peut voir l'utilité de connaître d'autres parties, outre l'aspect théorique ou quoi, mais les idées qu'on peut retirer ou quoi, et des fois ça sert dans ses propres parties, dans sa propre pratique. Et ok, d'avoir vu une fois ça, ça peut aider à trouver des idées comme voilà, comme ne pas avoir peur de monter le roi. Voilà, après il faut quand même bien valider tout ça par le calcul, mais voilà. Donc ouais, si on parle de cette partie short T-man. Donc vous avez la position sous les yeux, donc c'est une partie bien maîtrisée jusqu'à présent par les blancs, donc qui était donc short, voilà, c'est une partie en 91. Les noirs ont l'air assez ficelés. On a bon contrôle des cases noires, contrôle de la colonne ouverte D. Donc tout a l'air en place. Le truc, c'est qu'il faut quand même arriver à porter les stockades. Donc le Ouais. dernier coup des blancs, c'était H4, idée H5, H6 éventuellement, ou H5, tour H4, et puis on prend G6, quoi. Mais là, du coup, les Noirs jouent H5. Voilà, donc bonne réaction de Timan. Et maintenant, ok, maintenant il faut trouver comment gagner. Donc une des idées qu'on a dans le genre de position générale, c'est d'arriver à faire G4. Le problème, c'est qu'on voit que le tandem dame fou ben, fait bien le boulot sur la grande diagonale. Et on va avoir du mal à libérer le cavalier F3. C'est-à-dire si on bouge le cavalier, déjà on s'est maté en G2, à moins qu'on ait en E1, mais on ne menace pas grand-chose. Et l'idée de faire G4, du coup, assez compromise à cause de ce tandem. Donc ça c'est le premier problème. Deuxième problème aussi, c'est que là si c'était au noir de jouer, éventuellement ce qu'ils aimeraient faire sûrement, c'est fou C8 pour voilà, enlever cette tour de D7 et essayer d'échanger les pièces en masse. Parce que si jamais on n'arrive pas à mater, bah, on a quand même une mauvaise structure à l'aile dame, mais non, on pourrait faire dame prend A4, prendre C2, ou revenir avec le pion à passer. Donc même si tout a l'air cool, voilà, bah, concrètement faut trouver comment gagner. Donc, on peut vous laisser mettre en pause, peut-être? Ouais, je pense qu'ils peuvent se tenter de mettre sur pause, surtout s'ils n'ont pas vu cette partie. Et à noter que l'ordinateur a beaucoup de mal à trouver le coup d'ailleurs, Fab. Hein. Ouais, Quand tu complètement, mets le module, il a du mal à trouver. Et le premier coup donc, c'est Roi H2. ouais. Ouais. Alors, quelle est l'idée? Ah, je te le demande. Quelle idée? Je demande aux auditeurs, quelle idée? Ils répondent pas, je n'entends pas. Peut-être dans les commentaires, on est en train de dire l'idée, on ne sait pas. Là, nous, on regarde la partie. Roi H2, tu veux faire quoi? Tu veux revenir en G1 et mettre ton adversaire en zougzang? Je veux trianguler. Non, bon, ok, bah, c'est suivant l'exemple d'avant, ça peut donner un indice quand même. En fait, le roi, on veut s'en servir comme une pièce d'attaque Ouais, et je vais. monter Et aller le monter tapis. tapis jusqu'à H6. Ouais. Et au passage, il faut voir aussi un thème, c'est quand on a le roi en G5,
si les noirs se rendent compte qu'on veut faire roi H6 et qu'ils font roi H7, ça marchera pas trop parce qu'on aura dame prend G6 Ouais, avec à cause du le clouage. ouais, à cause du clouage, ouais. Donc ça risque d'être une menace imparable. Donc en fait, dans la partie, je pense que Timon ne s'est pas forcément rendu compte de l'idée. Non, il Il a a joué tour juste joué C8 C8 et... en se disant, ok, j'attends. Bah, d'ailleurs, on peut montrer peut-être. Ouais, on va montrer la partie en premier, ouais. Bon, bah, ok, c'est parti, quoi. Roi G3, tour C8, roi F4, donc ça a continué comme ça, et là, Fantastique. c'est déjà Et il n'y trop a plus rien dur. à faire, en fait. Ouais, c'est extraordinaire. Fou C8, bah, roi G5. Et je crois qu'il y a abandon. Simplement, sur fou prend D7, on va faire roi H6. Et puis, mat à venir, quoi. Maintenant, G7 imparable. Le roi se fait complètement bloquer. Et Donc, du coup, ouais, partie légendaire, quoi. Enfin, comme tu le magnifique. montrais, hein, sur roi H7, dame prend G6 échec. Et Ouais. on va ramasser un petit peu. On peut même peut-être faire comme ça. Ouais, ça c'est beau, ouais. Le roi monte à la volée. Enfin, Roland-Garros. Il est dans le thème. Il est dans le thème. Donc, du coup, ça, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Donc, Tima n'a pas du tout compris l'idée de short. Et donc en fait la question qu'on pourrait se poser Fab c'est que se passe-t-il si on se rend compte de l'idée qu'on fait fou C8? Voilà, c'est là aussi qu'on a des belles variantes. Ok, alors ce qui se passe, comme on l'a dit, on n'a pas forcément envie d'échanger les tours, mais le fou a quitté la grande diagonale, donc on peut éventuellement en profiter pour jouer J4. Et là, c'est vraiment compliqué, faut voir si ça marche ou pas, puisqu'on va quand même lâcher pas mal de matériel. Donc si notre adversaire encaisse notre tour, Voilà, la Fab c'est donc simple. Puis on on prend prend. Ouais. menace H6 qui va remplacer le roi et entre guillemets dame G7, donc puis on prend plus ou moins forcé. Ouais, et là on ferait juste dame G5, dame prend H5 et tour G4 mat. Bon, en tant que spécialiste international du mat de l'escalier, je peux te dire que c'est très facile à trouver ça en partie. Petit mat de l'escalier, du coup, avec Ouais, le c'est. pion qui aide. Donc un grand classique. Donc on n'a pas le temps de prendre la tour en D7. Non. Du coup, ce qu'on peut faire en revanche, c'est prendre le pion. Oui, pour retarder l'attaque. Ouais. Et donc là, ok, il faut réfléchir comment on continue. Est-ce qu'on fait tour prend G4? Est-ce qu'on fait H5? Est-ce qu'on bouge le cavalier? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on fait cavalier G5. Donc, qui permet de menacer au passage tour prend F7, hein, Fab? Voilà. On laisse tour prend F7. On laisse pas le cavalier en prise parce que simplement aussi, il faut dire, outre, enfin, on veut, c'est le problème, c'est pas tant de donner une pièce. C'est que ça menaçait dame prend F3 aussi, qui ramenait la dame à la défense en proposant l'échange des dames. Puis après, Et faisait du contre-jeu contre le roi. après fou, fou B7 et on va menacer des Ouais. mats, ouais. Donc, G5, c'est un peu ça l'idée. C'est on. Bon, on vient se montrer agressif vers le roi adverse, on laisse tour prend F7, ou peut-être même cavalier prend F7. Mais au passage, on enlève donc ce cavalier en prise, quoi. Évitant dame F3. Ok, alors dessus, bah, déjà, comme d'hab, faut se demander ce qui se passe sur fou prend D7. Parce que si les noirs peuvent simplement caisser le matériel, bah, c'est pas un bon signe. Mais donc là, faut continuer l'attaque par H5. Donc qui menace entre guillemets H6, H7 mat. Ouais, ou H6, dame G7, peu importe, ouais, mais c'est plus joli le tien. Et sur pion prend, je pense qu'on fait simplement dame H6, et il n'y a pas de moyen de défendre H7. Impossible. Enfin, case de 4 est contrôlée par la tour et le Ouais. cavalier. Et dame H7 mat au prochain. Donc Donc. sur H5, on est un peu dans le problème. On peut tenter G3 échec Fab. Ouais. Mais bon, ce sera pas la fin des. Enfin, c'est pas la fin des soucis pour les noirs, on peut faire pion prend tranquillement. Maintenant, si les noirs tentent par exemple dame prend A4, donc l'idée de jouer G3, c'est d'un peu découvrir cette seconde rangée pour faire des échecs. Et là, il faut quand même être assez malin. Bon, H6, c'est très logique, mais il faut se demander, bien sûr, sur dame prend D2, qu'est-ce qui se passe, puisque là, il y a un piège. Si on monte le rang H3, il y a dame F5 qui change les dames. Qui annulerait. Bah, Enfin, qui qui. gagnerait en fait même, Ouais, carrément. qui sera assez chiant, quoi. Ouais. Parce Du qu'une coup. fois qu'on a plus les dames, on a donné du matériel, et on perd beaucoup de potentiel d'attaque, quasiment tout. Non, donc Et... on perdrait oui, carrément avec Dame F5. Et donc ici, il faut trouver la petite pointe. Bon, qui est pas si difficile que ça à trouver quand même. Non, ouais, c'est sympa. C'est tour Tour D2, on D2. donne la tour pour dévier la dame. Et donc dame prend tour, logique. Maintenant on monte en H3 et il n'y a plus de dame F5 échec. Et sur Dame prend G5 pour réussir à éviter un mat. Bon, il y a mat quand Il y a mat quand même en G7. Mais je veux dire, même. c'est assez joli comme position avec les noirs qui ont deux tours, un fou de plus. Ouais. Mais qui se font mater sur les cases noires en G7. Donc là, Bah, on. c'est le but du jeu, c'est de mater le roi, quoi. Donc, Ouais, de base, en fait, c'est ouais, c'est la première règle. C'est la première règle. Donc sur cavalier G5, fou prend D7 marche pas trop. Sur fou B7, j'imagine qu'on fait simplement F3 Fab. On verra ce thème-là plus Oui, tard. exactement. On bloque le mat en G2.
Et puis, on va recommencer, soit avec tour prend F7, là, simplement, voilà, juste tour prend F7 bêtement, et on menace dame G7 mat, et sur tour prend, voilà, dame prend dame H7 mat. Donc, easy. Du coup le plus résistant ici, c'est G3 échec. Ouais, assez intéressant. Et l'idée, elle est assez profonde, c'est que sur pion prend G3, comme on a vu avant, là, il y a une petite différence, c'est que le fou peut faire son retour en B7. Donc on n'a pas pris Maintenant, on la n'a tour. plus, ouais, on n'a plus F3 pour bloquer la diagonale. Et ça mate mat en G2 ou mat en H1. Si on fait un truc comme cavalier E4 pour revenir, simplement les Nords vont faire dame prend A4. Et c'est pas si simple. Ils vont faire dame prend C2, on va faire des échecs, on n'a pas de menace de mat direct pour nous. Et ok, rien n'est fait ici en À fait. noter le fou aussi en B7 qui commence à être, enfin qui est une très bonne pièce hein, puisqu'il contrôle la case G2 à H1 qui peut combiner avec la dame pour créer des réseaux de mat chez les blancs ici. Et on est un peu en Non, non, retard maintenant du coup. Enfin en retard. On est à peu près en même temps quoi. Et on a plus l'avance qu'on avait avant. Donc il faut être très précis après G3. ouais, Et il faut c'est clair. absolument jouer roi prend G3. Voilà, fantastique. Et donc, comme ça, maintenant, si les Nords font fou B7, vous l'aurez compris, on fait juste F3. Et du coup, on ferme et on recommence avec nos idées avec H5 pour aller mater en force comme on l'a fait Voilà. précédemment. Donc, les Donc, noirs jouent fou prend D7. ouais, voilà. Et là, une nouvelle fois, faut être hyper bon, parce qu'on vient de donner une tour. Et ce qu'on a envie de faire normalement, c'est H5. Mais le problème, sur Malheureusement, on H5. se fait Alors, contrer par. attends. On se fait contrer, on sait pas. On nous aurait dit qu'on se faisait contrer, mais nous, on n'en sait rien. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un en commentaire qui écrit la réponse, la vidéo ne peut pas continuer. T'as un Alors, on blocage s'arrête. YouTube, ça s'arrête. Non, ils ne savent pas. Le coup, c'est c'est comme les vieux lecteurs de disques quand on dit c'était rayé, chanson Ouais. s'arrêtait. Les vidéos n'avancent plus. Et donc, heureusement, quelqu'un nous sauve en l'écrivant en commentaire. Donc, du coup, on peut repartir d'un machin. Merci le commentaire. Ouais, et donc du coup en fait ça protège la colonne H et ça Oui. menace les échecs avec du dame G1 et si le roi se barre vers F3, du fou C6 échec et ça redevient très difficile pour les blancs. Ça c'est. En fait, je crois qu'il n'y a pas de gain ici. Après, d'un machin. Et en fait, ok, donc coup fantastique de H5. T'as Au coup d'attaque 35e. fantastique. Pour un coup d'attaque, Ouais. c'est quand même rare. Extraordinaire. Marche arrière. Le roi revient en H2. Fantastique. Défend la case H1. Et maintenant, on va repartir vers l'avant avec H5, etc. Et là, les noirs, en fait. Ok, bon, admettons un coup comme dame prend A4. Pour essayer d'attaquer et Ouais. de libérer un peu la vue, mais simplement en fait H5 fab. H5, ouais, exact. Donc on recrée un message 6, et si pion prend, ben on va faire juste tour H4. Ensuite tour prend H5, et maintenant H8. Imparable. Voilà, genre dame prend C2, tour prend H5. Et ce qu'il y a de super, c'est que en fait, les pièces blanches attaquent et défendent le roi. C'est-à-dire que la dame F6 menace mat, mais défend F2, donc il n'y a pas de dame prend pion. Et voilà. Bon bah j'espère Donc. Fabien qu'en montrant toutes ces variantes, comme c'est une partie qui a beaucoup été montrée dans des bouquins, même dans d'autres vidéos, j'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne en anglais, mais on a essayé de détailler un maximum de variantes. J'espère que ça aura apporté un plus pour ceux qui connaissaient cet exemple, mais qui connaissaient que la marche du roi, mais qui n'avaient pas vu toutes ces petites finesses dans la variante annexe. Ouais, on deck G4 est sympa, ouais. Et puis donc la marche du roi, bel exemple. Et puis pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'était un bel exemple, quoi. Très joli, donc merci à toi Fab, bravo pour cette victoire en top 12, t'as pas été trop court, et bravo à Short pour ce très beau chef-d'œuvre qui t'a Ouais. permis peut-être quelque part, hein, en toile de fond, peut-être l'ombre de Short était derrière, et qui t'a un petit peu guidé pour trouver cette marche du roi. Ouais, clairement, ouais. Bravo à Short, merci à lui, et merci à toi pour ces précisions, et je te dis à ce soir du coup. Allez, ciao. Ciao!